Thank you.
Allô? Oui, Brahim. Oui, ça va. D'accord. Bien. Ok, on fait comme ça. Oui, oui, ça va. On se voit là-bas alors. Ok, merci. Ciao. Salut tout blanc, ça va? Ça va. Bon, je vois que t'es passé à l'eau et au café, ça fait plaisir. Il a bien fallu. Bon, je vois que tu reprends du poil de la bête, voilà. C'est une bonne chose en tout cas. On fait ce qu'on peut. Ouais, bon, je vois ça. Bah ben, voilà. Bah ben, malheureusement. Malheureusement. Bon, ça fait plaisir de te voir. Pas pareil. Merci. Donc, en fait, on a pensé à toi pour une affaire qui te concerne un petit peu. Oui. En fait, c'est un homicide qui a eu lieu dans la ville où tu viens, en fait, de ton enfance. Et voilà, elle concerne deux personnes, deux ouvriers qui habitent... Oui, mais je t'arrête tout de suite. T'as pas quelqu'un d'autre à mettre sur le coup? Moi, je pense que t'es la meilleure personne pour cette enquête. Tu connais les gens là-bas, ils te connaissent, et voilà quoi. En tout cas, tout est dans le dossier, et voilà, ça te permettra de revoir ta famille, de quitter Paris un peu, voilà, je pense que ça, à mon avis, ça te fera du bien. Donc, Peut-être. En tout cas, ils sont un petit peu... Tout est dans le dossier, hein. Oui. Bon, tout blanc, faut que j'y aille. Écoute, ça m'a fait plaisir de te voir. Pareil. Donc, tu me tiens au courant pour tout ce qui se passe et tout, et voilà, quoi. Je pense qu'il n'y aura pas de problème, et passe le temps qu'il faut pour... Alors, c'est pour moi, hein. Je t'invite, quand même. Merci, chef. Et tu me tiens au courant, donc, voilà. Ça marche. Ok. Bon, ben, plein de bonnes choses. Tu passes bonjour à ta sœur. Tu manquerai pas. Et à très vite, ok. Allez, salut tout blanc. Merci.
Tu m'attends là-haut, hein, Martine? Tu m'attends là? Oui. Bon, mais t'as bien joué hein, aujourd'hui. Ah. C'était bien, hein? Allez. Alors. C'est fermeture éclair. Non, tu le fais? J'arrive jamais. J'arrive jamais avec cette fermeture à clé. Comme ça. Ouais. Comme ça. Ouais. Tu fais comme ça. D'accord. Ah. Voilà. Alors, on met l'imperméable en plus. Ah, voilà. Ah, hop. Tu fermes bien. Allez, et on y va. Bah non, c'est ça, Bah ouais, c'est dommage. Hein. Bah j'en ai un, j'en ai un. Mais en plus, t'en as un. Bah oui, ça fait moins, il est plus petit. Ah bah ça c'est sûr, il est plus petit, oui. Y'a personne qui joue. Bah ouais, mais on doit y aller. Ça sera pour une prochaine fois, Martin. Y'a personne qui joue. Bah oui, mais non, mais en plus, il est trop grand pour toi, celui-là. Non. Ouais, non. Il est pas trop grand pour moi. Mon terre. Allez, on va regarder. Oui, on est là. Bon, Martin, je te fais un gros bisou. Mouah. T'es sage avec maman. Mmh. Tu travailles bien. Oui. Et puis on se voit la semaine prochaine. Ok. Ok. Bon, salut. Thank you.
C'est avec... Oui. Non. Non. Mírame, salud. Todo bien. Ah, bueno, listo. Entonces el resto, querida, tiene solución, no te hagas problemas. Uh-huh. Te prohíbo llorar. Son días no, extraños. Pero pará. Yo te prohíbo llorar, derramar una lágrima, como decimos en francés, vos lo sabes bien. Te prohíbo llorar por quien no se lo merece. D'accord. C'est sûr? Oui. Bon, alors, le travail, ça va? Ouais. Ça va très bien. Moi. Bon, alors tu as le partiel. Mais écoute, okay. Il faut dissimuler. A ver, un poco de pila. ¿Estamos? Pila, yo me di cuenta, Claire. Ok. ¿Está? Un vasito de agua. Estoy perfecta. ¿Seguro? Bueno, mira que yo, sabes que te quiero y te conozco. Sophie. Bueno, listo. C'est fini. C'est fini? C'est fini. D'accord. Alors, je peux partir? Tu peux partir. Alors, je te kiffe. Ce matin, oui, c'est terrible. Pourquoi? Parce que je me suis levée à 6 heures. Uh-huh. Oui, et pour aller à la maison d'un ami, nous étudions tous les matins. Et après, nous sommes allés à l'université pour faire un travail dans les laboratoires. C'est très difficile. Nous étions tous les matins dans le laboratoire. Et après? Après, nous sommes... Oui, nous prenons les... Dans la cantine de l'université, nous mangeons. Et après, nous faisons autre travail dans le laboratoire. Tous les jours. Tous les jours? Oui. Je me suis levée à 7 heures. Je suis allée à l'université. J'ai eu deux classes et après j'ai... Quelle classe? Ça s'appelle la technologie de nourriture. Mm-hmm. C'est une classe de l'ingénierie chimique. Et après j'ai étudié. À la maison? Non. À l'université? Oui, tout à l'université, parce que je suis oui. Je ne me rappelle plus. Comment se dit? J'étais. Très bien, Andrés. Merci beaucoup. À l'université, tous les jours. Je mangeais quelque chose, un café. Mm-hmm. Après, je suis allé à travail. J'ai travaillé de 7 heures à 13 heures. Et d'après, je suis revenu chez moi et je suis resté chez moi. Le soir, j'ai étudié français.
Et donc? Et aujourd'hui, je me suis levée à 6h30 et j'ai pris le petit déjeuner. Et puis, je suis allée à ma classe d'anglais. Et je suis retournée chez moi à 10h. Et je ne sais pas, je fais de la randonnée avec ma chienne. Ah! Oui. Comment s'appelle ta chienne? Elle s'appelle Gina. Gina! Oui. Ma chienne s'appelle Asia. Thank you.
Ce matin, au moment où je me suis levée, je vois encore là le cheval attaché en face de chez moi. J'ai fini de téléphoner à la mairie maintes fois, mais comme d'habitude, on ne fait jamais rien. Le pauvre animal était jeté par terre, les pattes vers le ciel dans la pelouse. On dit que quand les chevaux sont comme ça, ils demandent de la pluie. Voilà pourquoi je suis venue avec les parapluies. C'est simplement un exemple. Alors, vous pouvez commencer maintenant et vous l'apporter à la classe prochaine. Hein? Oui, d'accord. Allez, allez, ne soyez pas paresseuse, faites silence et écrivez. Aujourd'hui, je me suis réveillé et le ciel était nuageux. J'ai bu un thé noir. Je bois et regarde la fenêtre. Je pense à ce que le jour m'apportera. Aujourd'hui, je me suis dit que ce serait un jour nuageux. Rien de plus. Je suis allé au tribunal en essayant de dissimuler ma mauvaise humeur. Au milieu de la matinée, j'ai fait une pause et j'ai pris un café avec deux croissants. Avant qu'il ne fasse nuit, je suis allé dans le centre. J'ai pris la rue piétonne. Je suis entré dans une librairie d'occasion. Je n'ai rien acheté, mais j'ai regardé les titres. J'ai ouvert des livres, lisant quelques phrases au hasard. Je me suis ensuite dirigé vers le cinéma. Quand je suis arrivé, près de la porte, j'ai vu la professeure de français. Ça m'a gêné d'entrer dans le cinéma avec elle, mais elle ne m'a pas vu. Elle était absorbée dans un livre, j'ai attendu qu'elle entre. Je suis allé aux toilettes, je ne suis entré dans la salle qu'une fois l'obscurité faite. Je l'ai vue, deux rangées devant. Je n'ai pas pu me concentrer sur le film, j'ai pensé à elle. Que faisait-elle toute seule ? Quel livre était-elle en train de lire ? Au milieu du film, elle s'est levée, elle était inquiète et elle sortit dans la rue. Elle rentre à la maison et éteint la lumière qui était dehors. Elle ferme les volets, elle ne souhaite pas laisser des signes de vie au dehors. Elle prend des cachets pour dormir. Elle se lave les dents dans un dernier effort. Elle est orgueilleuse de sa dentition. Depuis qu'elle est toute petite, elle se lave les mains, elle les a pleines de boue. L'eau devient obscure et le lavabo se salit. Elle le nettoie avec du papier avant d'éteindre la lumière de la salle de bain. Elle se couche, essaie de lire un livre, mais ne peut pas se concentrer. Elle regarde le plafond, se couvre le visage avec l'oreiller. Elle dort avec un vieux t-shirt usé, elle a cessé de mettre une chemise de nuit. Le t-shirt est plus pratique, il lui rappelle quand elle était petite. Elle ne sait pas d'où est sorti ce t-shirt, mais cela fait des années qu'elle le met. C'est une habitude, et elle reste fidèle à ses habitudes. Tout était une habitude jusqu'à il y a peu, et depuis quelques jours, elle se sent perturbée, embarrassée. Comme si elle n'arrivait pas à comprendre tout à fait ce qu'elle vit. Comme si une partie des jours était cachée. Comme s'il se préparait un événement extraordinaire, mais sans savoir s'il serait bon ou mauvais. Comme si la routine s'était cassée pour toujours, malgré elle. Elle s'endort en pensant à tout cela et fait un rêve pénible. Elle veille en sursaut au milieu de la nuit, pousse un cri, allume les lumières. Elle ne sait pas si le bruit très fort, celui d'une chute qu'elle vient d'entendre, provient d'un rêve ou de la réalité.
Vous êtes sûr, monsieur l'inspecteur, de ne pas vouloir de café ? Finalement, oui, mais je prendrai plutôt un déca, si vous avez. Bah, j'en ai pas. Non, bah alors ça ira, merci. Donc, vous avez déposé plainte ? Est-ce que vous pourriez me raconter exactement ce qui s'est passé ? Bah, c'est ce jeune avec ses cheveux longs, là. Il est venu dans le quartier, il a tapé à toutes les portes. Lorsque les gens sortaient, bah, il les insultait. Je l'ai vu faire et je regardais. Il a tapé à toutes les maisons, dans tout le quartier. Puis en plus, ça se voyait, hein. Il était éméché. Et vous le connaissez ? Vous l'aviez déjà vu ? Je le connais de vue parce qu'il vient voir sa fiancée, enfin je pense que c'est sa fiancée, une jeune du quartier. Il travaille, il ouvrit à la cité de la Fourrière. Adelante. ¿Le sirvo un vaso de agua? Por favor. Está al tanto de lo que sucedió, ¿no? Sí, sí, sé lo que sabemos todos, lo que leí en el diario. Le dieron un palazo. ¿Estaban borrachos? Le voy tomando los datos, ¿sí? Sí. ¿Me dice su nombre? Clara. ¿Su apellido? ¿En estado civil? Soltera. ¿Profesión? Enseño francés. ¿Es profesora? Sí. ¿Su domicilio? Saavedra, 2370. ¿Su edad? 41. ¿Su DNI? 24,
217-360. Bien. Le voy leyendo el acta. Me parece. En la ciudad de Santa Fe, ubicada en el departamento de la capital de la provincia de Santa Fe, siendo las 19 horas del día 5 del mes 10 del año 2016, ante mí, preventor, comparece una persona que fuera locatada en el lugar del hecho y a quien se le hace saber que se le va a recibir declaración testimonial en la presente causa que se tramita. Acto seguido, le informo acerca de las penas por falso testimonio del artículo 275 del Código Penal Nacional y doy comienzo al interrogatorio. Bien. ¿Dónde estaba usted esa noche? Acá en mi casa, como todas las noches. No escucho nada. Mire que discutieron fuerte. Sí, yo escucho a veces gritos. Vivo sola, a veces me da miedo, pero no me acuerdo. Bien. ¿Usted hizo una denuncia? Sí, por el caballo. El caballo que estaba abandonado. Hacía días bajo el sol, bajo la lluvia. Bueno, ese caballo es propiedad del fallecido. ¿Sí? Y el caballo desapareció. Quizás mejor, ¿no? Et vous le connaissez? Vous l'aviez déjà vu? Je connais de vue parce qu'il vient voir sa fiancée, enfin je pense que c'est sa fiancée, une jeune du quartier. Il travaille, il ouvrier à la cité de la Fourrière. Il vit avec un autre ouvrier. Ils ont des rapports un peu particuliers, ils sont en colocation. Et vous savez autre chose? À ce qu'on dit, la veille, la victime aurait dépensé tout son argent, toute sa paye au jeu. Enfin. Enfin, c'est ce qu'on dit. Necesitaba este recreo, te juro. ¿Vos cómo estás? ¿Eh? ¿Mejor? Vamos mirando de a poco. A la izquierda vamos a ir. Sí, decir sus nombres. Levanten la mano quienes visitan la ciudad de Santa Fe, quienes no son de aquí, de la ciudad. A ver, ¿se animan? Muy bien, tenemos varios. Bueno, les voy a preguntar igual. Bueno, van a ver a la izquierda. Todo este complejo que es nuevo, lo que van a hacer es la mitad de la carga en Santa Fe y se finaliza la carga en la ciudad de Rosario. Hasta aquí llegaba el cereal que era sembrado y cosechado en el centro de la Argentina, en la Pampa Gringa, cuando éramos el granero del mundo. Teníamos el sistema agroexportador. Llegaba hasta aquí por medio del sistema del ferrocarril. Una especie aspiradora guardaba el cereal en los silos que vamos sirviendo. Y vamos a encontrar también unos tubos que direccionaban todo ese cereal al interior de las embarcaciones. Que luego también está abandonado, el canal de acceso, que lo vamos a ver en poquito. Prometieron arreglarlo, pero no pasa nada. Para conectarse con el imponente río Paraná. Otras dos embarcaciones más, James Enzo, que llegó también hace muy poco tiempo. Y se James. Y detrás vemos un empuje con barcazas que están trasladando diferentes tipos de productos. Hasta este puerto llegan productos congelados y también se firmó un convenio con Uruguay.
No es habitual para mí citar a un alumno en un bar. Sí, es una situación sumamente incómoda para mí. Vos la provocaste. ¿Es verdad lo que escribiste? En parte. ¿Qué parte? Vos me seguiste. Sí. ¿Y qué viste? Apenas se veía. ¿Sabés lo que pasó? ¿Con qué? La noche del asesinato. Lo que leí en los diarios. Un crimen pasional, que mataron a ese tipo. Pero se suponía que no eran pareja. No está claro. Nunca pensé que este tipo de cosas pasaran cerca. ¿Se refiere a un hecho truculento? Todo puede pasar. Hasta eso también, un crimen. ¿Por qué me expusiste así? Me sentí desnuda. No la vi desnuda. Cerró las puertas, las persianas, todo. Menos mal. ¿O era eso lo que querías? ¿Qué? ¿Verme desnuda?
Se levanta. Tiene un poco de sangre mezclada en la saliva. Siente el sabor algo salado. A la noche se mordió el labio y sangró un poco. Tuvo un sueño tenso. No lo puede recordar, pero siente la sensación todavía. Peligro, vértigo, durmió entrecortado. Se levanta. Se enjuaga la boca, se moja la cara. De reojo se mira en el espejo y no se halla. Cada tanto le pasa no reconocerse del todo en el espejo. Unos segundos de desconcierto, como si fuera otra persona la que desde allí la mira. Después se dice, soy yo. Son mis rasgos, esa boca es mi boca, esa nariz es mi nariz, esos ojos son mis ojos, y así, al ir nombrando cada zona, va recuperando su cara, su reflejo, y al hacerlo, va entrando en el día. Le gusta bastante la vida, no todos los días. Pero este día sí, no estará mal. Se lo dice en silencio, frente al espejo. Después se ducha. El agua está caliente de más y ese ardor la reconforta. Se seca y camina desnuda del baño al cuarto. Ese trayecto sin ropa le da una libertad corta, pero deliciosa. Se siente plena en esa distancia. Descalza, con la piel roja por el agua caliente. Se viste despacio, como si la ropa pudiera rasparla. Se acuerda del baldío y lo sucedido. No quiere mirar. Retrasa el momento de mirar. Se prepara un té. Come tres galletitas de agua con queso untable. Con el último trago de té se decide a ir hacia la ventana. Corre las cortinas. Mira, el sol es crudo, demasiado blanco, y al principio no puede distinguir algo en particular. Después, con los segundos, la visión se hace más precisa. Hay un móvil policial estacionado. De manera instintiva, cierra la cortina y se oculta. Como si tuviera temor que el policía la descubriera así, espiando a comienzos del día. Ella misma se siente sospechosa. Ella dudaría de sí misma si fuera otra persona. Ella se haría preguntas indiscretas. ¿Con quién estuvo cuando sucedió el crimen? ¿Durmió sola? ¿Durmió tranquila mientras todo eso, tan espantoso, sucedía? ¿No llamó a la policía? ¿Le pareció que todo era normal? ¿Usted es normal? ¿Tiene pesadillas cuando duerme? ¿A quién espera? ¿Por qué tiembla cuando le hablo? ¿Por qué baja la vista? ¿Se siente sola en las noches de invierno?
¿Te molesta que nos vean hablando juntos? Si te diera un beso ahora acá mismo. No nos vamos a besar. Me siento un poco estúpida. Siento que arruiné algo. Bueno. ¿Crees que te pida un taxi? No, no. Bonsoir. Avant de commencer, s'il vous plaît, révisez le verbe. Thank you.
Hola. Hola. Pasa. Et quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Le soir même. Il était parti acheter une bouteille de gaz pour sa chambre avec son coloc, parce qu'ils n'ont pas de chauffage. Moi, je voulais plus qu'ils vivent avec lui. J'en avais marre de cette situation. Il y avait des rumeurs, comme quoi ils ont une relation ambiguë tous les deux, comme quoi ils étaient très proches. C'était très usant, très pesant. Tout le village le savait, tout le village en parlait. C'est petit ici, tout se sait. Donc j'en avais marre, je lui en ai parlé, je lui ai dit, il faut que ça s'arrête. Je peux plus continuer comme ça. Viens vivre avec moi, je lui ai dit. Il m'a dit, je vais trouver une solution, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Je lui ai dit, tu vas faire quoi? Il m'a dit, tu verras. C'est pas lui qui l'a fait. Il n'a rien à voir avec ça.
para tus noches de insomnio. Yo, sin embargo, en ningún lado dormí mejor que entre tus brazos. Con amor, Clara. Monsieur l'inspecteur, on peut percoler le morceau. I'm gonna go get some more.
Thank you.